Ben, je pense que cette journée arrive à un bon moment après les élections générales. C'est un appel à respecter l'adversaire, à ne pas tomber dans la violence verbale, parce que je pense que nous sommes tous en marge de la vérité. Personne n'est propriétaire de, totalement de la vérité. Donc chacun a sa propre vérité. Nous devons donc respecter l'opinion des autres, surtout ne pas tomber dans des critiques personnelles et tolérer et regarder ce que les autres font de bien. Alors je crois que c'est un moment très important pour nous de célébrer cette journée mondiale de la tolérance. Cela apportera de la paix intérieure à notre pays. Ben, je pense que cette journée arrive à un bon moment après les élections générales. C'est un appel à respecter l'adversaire, à ne pas tomber dans la violence verbale, parce que je pense que nous sommes tous en marge de la vérité. Personne n'est propriétaire de, totalement de la vérité. Donc chacun a sa propre vérité. Nous devons donc respecter l'opinion des autres, surtout ne pas tomber dans des critiques personnelles et tolérer et regarder ce que les autres font de bien. Alors je crois que c'est un moment très important pour nous de célébrer cette journée mondiale de la tolérance. Cela apportera de la paix intérieure à notre pays.